Au départ, c'est le désir de découvrir. C'est l'amour de la route. Mais pas celle toute tracée, non. Celle que personne ne prend, pas même les autochtones. Puis la créativité survient entre cartes postales et envers du décor. Dans l'ambiguïté permanente de l'instant-espace transitoire. De ces vases communicants complexes, il naît un projet, une volonté de voir toujours plus loin avec cette même idée esthétique. Instant sublimé du rebut humain déambulant dans les no man's land anatoliens, le rêve. Sa richesse, c'est un fil rouge. Un fil rouge qui peut se déformer, se plier, amener d'autres choses par surprise. Le fond reste toujours le même. Découvrir le monde à travers le prisme d'une idée. Chercher à redéfinir la notion de ruine sur les routes délaissées, presque désaffectées. Old National Road, à la recherche des slaves. C'est cette obsession qui me donne l'envie, la foi d'emprunter encore tant de routes. Longer la Baltique, remonter l'Amérique, traverser les million miles du désert austral. Voilà les possibles de Slavin Turki. À la recherche des restes d'une humanité, suspendue dans les confins désertiques, dans l'instant transitoire entre la mort et l'oubli, dans l'immensité d'un temps étiré